Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur FF8. Alors on se retrouve encore pour une nouvelle scène avec Zell, donc cette fois-ci un tout petit peu plus intéressante. Alors là enfin on va voir quelques petits trucs à se mettre sous la dent pour lui arranger un coup avec la fille à la queue de cheval. Donc on en est à la cinquième scène donc cette fois. Et donc on en est juste après Trabia, vous pouvez, donc juste après la scène, le gros dialogue de Trabia, vous pouvez choisir votre équipe. Prenez Linoa et Zell avec vous et faites rond quand vous êtes sur la world map pour revenir à l'intérieur de la BGU. Ensuite, vous pourrez vous rendre à la bibliothèque et vous allez voir qu'on va pouvoir avoir quelque chose de plus intéressant cette fois. Alors moi, sur le coup, j'ai eu vachement les boules parce que bah déjà que j'ai un peu de mal parfois à trouver les scènes en fait. Comment les enclencher. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a personne. Et alors là, je me suis dit, oh, la scène va pas s'enclencher, tout, c'est chiant. J'ai encore avoir du mal à la trouver. Parce que parfois, oui, il faut faire des manips un peu pour les enclencher. Bon, comme vous avez vu, pour par exemple la première. Donc là, il n'y a personne. Donc là, c'est. Enfin, venez, faites exactement comme moi. Vous vous rendrez sur le deuxième plan. Et vous. Alors, par contre, je vais juste essayer un petit truc vite fait. Ouais, d'accord. Donc là, à ce moment-là, vous essayez de vous en aller. Vous allez voir que normalement, quelqu'un nous appelait. Je vais juste refaire à la manip pour voir si c'est moi qui a pas fait une fausse manip en allant sur l'autre plan. À mon avis, c'est ça. Donc là, essayez de vous barrer. On va voir si ça marche cette fois. Parce que moi, c'est comme ça que je viens de le faire en fait. Donc, c'est pas ça. Voilà, donc en fait faut aller sur l'autre plan, pas aller au fond et essayer de s'en aller. Donc là on appelle Zell. Vous voyez que c'est les comités de, enfin, les membres du comité de lecture. Et on fait partie du fan club de Zell le Zébulon géant. Alors j'ai pas eu le temps de voir si c'était géant le dernier mot. Et donc ils vont lui poser des questions un petit peu plus. Un petit peu plus. Enfin bref, vous allez voir. De répondre à quelques questions, mais essaie d'être spontané. Ta couleur préférée. Alors vous voyez que là déjà ça s'intensifie un petit peu plus et qu'on va avoir le choix en fait. Ça c'est marrant. Donc vous pouvez mettre le rouge de ma veste, le bleu de mon short, j'ai honte le rose. Alors moi j'ai mis le rouge de ma veste. Je vais faire une petite save vite fait pour voir un petit peu les différents dialogues que vous pouvez. Si on met j'ai honte le rose. Ah bon le rose si tu le dis. Alors ça c'est si vous mettez ça, le bleu de mon short. Le bleu de la mer. Donc ça, à mon avis, c'est une des meilleures réponses parce que le rouge, ça donne pas quelque chose de mieux. Donc quel est ton plat préféré? Alors là, vous pouvez mettre la viande, le poisson. Le mieux, c'est de mettre les bretzels. Parce que ça, c'est facile. Quel genre de film plaît? Et là, vous allez voir que déjà, il est un peu plus sur le cul. Alors là, il y a George Clooney qui se ramène. Mais en fait, ce personnage, ça me fait trop marrer parce qu'il se ramène, mais on l'a jamais vu. On sait pas du tout. Qui sait, ni rien. Il est trop bien en gentleman en plus. Donc voilà. Donc voilà pour cette scène. Vous voyez que déjà, c'est un petit peu plus intéressant. Et elles lui disent merci Zell, on se voit un peu plus tard. C'est pour ça que la prochaine fois qu'on va revenir, on aura. Enfin, ce sera la sixième scène. Et ce sera avant justement bah, la dernière partie de cette vidéo. Où là on aura vraiment le rendez-vous entre Zell et la fille à la queue de cheval. Donc sur cette cinquième scène, je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine quête annexe de FF8. Enfin, on se retrouve, oui, pour une prochaine quête annexe sur FF8 une prochaine fois. Allez, salut! Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Allez, salut!